C'est bon, on peut commencer? Oui, vas-y. Donc bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau reportage sur Je pourris nous voilà. Avec notre ami Zepalka qui exécute sa magnifique petite danse. Bah là c'est pas mal, hein, avec la musique ça va bien. C'est... Donc vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Oui. Donc... Oui. Vas-y, non. Moi. Bah en fait, si vous vous souvenez, on avait il y a 6 mois, quand on faisait encore des vidéos avant de reprendre maintenant, on faisait des vidéos sur des jeux pourris. Et bah comme on reprend les vidéos, on a voulu en refaire. Et Vlagamer a eu la merveilleuse idée de me demander des party games. Du coup, aujourd'hui, je pense qu'on va vous montrer 2 party games que j'ai réussi à trouver, tous les deux sur DS. Et vous allez très vite le voir, qui sont absolument magnifiques. Celui-ci s'intitule Party Carnival. Et je te propose d'appuyer sur Start pour le lancer. Donc en gros, Party Carnival, bah comme vous le voyez, il y a un mode party, mais bon, on peut pas y jouer vu qu'il faudrait 2 DS, donc on va se contenter de jouer sur le free mode, pendant que Vlagamer est en train de s'acharner sur les boutons. Oh merde. Et du coup, bah on a un player, hein, mais de toute façon, vous allez voir que les jeux sont relativement... Alors voilà, donc là, on a la liste de tous les jeux, donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. On va peut-être pas tous les faire, parce qu'ils ont un intérêt relatif. Du coup, tu veux commencer par quoi? Donc avant de commencer, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un party game, prenez... Mario Party, voilà. C'est l'exemple le plus simple. En gros, c'est un jeu où il y a plein de mini-jeux dedans. Voilà. Et en général, on s'imagine un plateau où on a des personnages, on avance, et après vous avez des mini-jeux, et au fur et à mesure où vous remportez les mini-jeux, vous êtes plus proche de la victoire. Il y a des jeux comme ça qui sont très sympas pour jouer à plusieurs, c'est fun et tout. Ou les lapins crétins, par exemple, il y a WarioWare ou ce genre de trucs-là. Voilà, ça, c'est des jeux qui sont bien faits, qui sont sympas. Et aujourd'hui, on va vous montrer l'inverse. Et nous, on vous a trouvé, vous a trouvé une perle qui a réussi à avoir 0 sur 20 quand même, hein. Franchement. Ou 1 sur 20, je sais plus, sur jeuxvideo.com, mais... Moi, je dis bravo. Mais les deux que je vais vous montrer, il me semble que les deux ont eu 1 sur 20. C'est un exploit quand même, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Est-ce que tu veux commencer par lancer le premier déjà? Ouais. Le 100 mètres, allez, c'est intéressant le 100 mètres après tout. Du coup, un player, tu vas pouvoir choisir ton personnage, attention. Attends, t'appuies sur B là. Appuie sur rien peut-être. Parce que, attends, j'y vais avec le stylet. Puis. Enfin, le stylet pour lui c'est la souris au cas où. Bah, voilà, mais bon, on y joue pas sur DS, joue sur un émulateur, j'ai pas vu. Voilà, donc là tu veux. Lequel de ces 4 persos tu veux? Un chien. Le chien? Ouais. Et donc il faut que tu bourrines A et B. C'est quoi A? Ça? Je pense, ouais, c'est ces 2 boutons, ouais. D'accord. De toute façon, tu joues tout seul, donc tu. Parce qu'en plus, y'a même pas d'IA, hein. Donc montre-moi à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble Party Carnival. Et voilà un 100 mètres. Alors les graphismes révolutionnaires, le gameplay révolutionnaire. Ils ont même pas fait bouger le décor au fond. En fait, on dirait un tapis roulant. Et voilà, t'as gagné, bravo. Avec la musique, et voilà, t'as gagné le premier mini-jeu. C'était chouette, hein. C'était amusé. Si tous les mini-jeux sont aussi rapides, on va bien s'amuser, hein. Ah bah oui, n'est-ce en fait, pas. Je crois qu'on va avoir tous le temps. Yop yop. Voilà, puis voilà, t'as un high score qui s'efface à chaque fois que tu resets la console. C'est génial! Parce que moi j'ai fait un high score et il y est pas, donc je pense qu'on va jouer à autre chose, hein, parce que. Non! Pendant 20 minutes, c'est bien, moi! Allez, on en prend un autre au pif et puis. Oh, t'es obligé là! Allez, on en prend au Platte pif. Fineur. Allez, de Caterpillar. Donc, ça, c'est la course de chenille Caterpillar. Hein. Et visiblement, ça se joue au stylet, donc ça, c'est moi qui vais jouer, donc je vais laisser. Allez, je vais prendre le petit hamster là. Alors, move, alors je dois déplacer le Caterpillar, tu as un Xbox, tu as grab, ok, d'accord, ouais, bon, on s'en fout, on verra bien. Celui-là, je l'ai pas essayé encore, donc qu'est-ce que je vais faire? Ah, ok, d'accord. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, les oreilles! Ah, ok, d'accord, je suis censé prendre la main, en fait. Je suis censé, avec la main, ramasser ces trucs et... Mais... Alors là, je bourrine l'écran, y'a rien qui se passe, hein. C'est quoi cette merde? Mais en fait, j'arrive à l'écrabouiller et c'est tout. Mais peut-être y a une sensibilité à voir que tu peux avoir qu'avec le stylet. En tout cas, mais note que j'ai quand même le jingle de la victoire et qu'on a quand même gagné. Hein, c'est... On aura trucidé des pauvres vers de terre, mais on aura quand même gagné. Voilà, un point. Super. Allez, niveau suivant. Voilà, c'est J'avoue que là, tu nous as quand même trouvé une paire. Hein, allez, pas mal. Ah, tu voulais des. Allez. Hit the pingouin. Le pingouin. Allez, hit the. Ouais, voilà. J'adore les pingouins. Ah, au stylet, par contre. Encore au stylet. Je veux pas jouer. Allez, je vais jouer au chat. Un chat. Non. Le chat. Un touch de pingouin pop him up from us. Ah, ok, donc ça, je pense que c'est un truc, un tap-toup là. Waouh. Waouh, mais ça rame ou c'est le jeu qui est comme ça?
Merde, c'était pas un bon ça, je crois. Non, non, j'ai l'impression que c'est arabe, effectivement. Et c'est pas l'émulateur, parce que bon, l'émulateur, un jeu pareil. Mais c'est que c'est super intéressant. Regarde, y'a un pingouin tout en haut. Ah, je l'ai raté. Zut. Oh, bah mince alors. Je vais pas avoir la vraie fin du jeu. Qu'est-ce que je suis triste. Je suis pas désabusé. Je ne suis pas du tout ironique, hein. Ah, puis voilà, c'est fini. Il fait même pas de timer, en fait. Écoute, victoire. Bah oui, bah forcément victoire. Comment tu veux que je perde? Il y a même pas d'IA, c'est... En fait, c'est ça, je pense, le plus concept dans le jeu. C'est quand même qu'un party game, c'est un jeu où normalement... Enfin, par principe, vous y jouez à plusieurs. Un party game solo, ça n'existe... Voilà. Enfin, ce n'est pas censé exister. Donc, bah, en fait, on peut jouer à plusieurs si vous avez plusieurs cartouches et plusieurs DS. Mais de base, même dans un party game, même dans un Mario Party, je veux dire... Il y a des IA au moins pour jouer avec d'autres personnes, mais là même pas. Oh, le slide puzzle. Memory game. Il y en a plein Memory qui sont game. Bloqués en plus. Memory game. Memory game. Oh oui, on peut pas jouer au votre Japanese Chitori. Ah, puis là c'est bon, c'est au bouton donc c'est parfait. C'est moi? Ouais. Tu veux le lapin, tiens. Acha. Alors, ouais, c'est un peu rigolé. Okay, d'accord. Left. What? Metal. En gros, il va te mettre des trucs et tu dois les appuyer dans le bon ordre. Ouais, mais je connais pas les touches moi. Acha. C'est quoi R? C'est gâchette droite. C'est un Simon en fait. Pouf. Oh là là. Merde. Y c'est ça? Non? C'est pas Y? Si t'as appuyé sur quelle touche là? Là. Bah c'est celle à gauche. Ah ok. Ouais parce que c'est, ouais, c'est l'inverse des manettes de Xbox en fait. Je sais pas pourquoi sur Xbox. L, R, X. L, R et X, c'est le bouton que tu viens d'appuyer. Ouais voilà voilà. Ok. Puis là encore une fois, y'a pas de timer, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Mais... 5 secondes ils ont dit. Non, t'as 5 secondes pour donner le résultat, mais... Tadam! Alors, tu m'applaudis? C'est... En fait, il répète à chaque fois avec un de plus, et... Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, là? Mais what? Ça, c'est B? Oui. Mais A, c'est ça? Y, c'est ça, alors? Non, A, c'est à droite. T'as, comment tu m'as configuré ta manette? Comme sur une DS. Oh, y a moyen d'arrêter ce jeu de merde? Bah, en perdant, je pense, bah, appuie n'importe quoi, puis je pense qu'à bout de 3 fois, tu perds. J'espère. Voilà. Est-ce ah, que t'as quand même le jiggle de la victoire. Hein. Y'a tout le monde qui t'applaudit derrière. Ouais, mais dis donc. Mais, that genius. Ah oui, il est magnifique ce jeu. Hein. Oh non. 3 points. Oh. Oh non, mais c'est une bouse monumentale. Ah, tu m'as demandé un jeu de merde, party game, donc voilà. Ouais, mais un truc amusant, quoi. C'est même... T'as le noodle eating contest, si tu veux. Allez-y, allez. Alors sinon, on passe au jeu suivant. Non, puis, non, c'est bon, c'est bon. Oh, les deux en même temps. Là, on va rigoler. Là on doit manger le plus de nouilles possible en appuyant sur A et B. Ah bah c'est encore une fois tu bourrines A et B donc vas-y. Attention. C'est quand même concept comme jeu hein. Oh là là, oh, regardez moi cette animation. Voilà, on sait même pas ce qui se passe. T'es pas censé faire quelque chose avec le stylet? Non 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 ouais. J'ai déjà fini de bouffer ou quoi? Il se passe quoi là? Hello, il y a quelque chose. Donc là il y a avec Zabek. Ah bah ok d'accord. Comment t'as fait? Je sais pas, je dois attendre. C'est quoi cette merde? Moi je bourrine le... Mais peut-être qu'en fait il mange mais que l'animation est tellement pourrie qu'on y voit rien. C'est peut-être ça, bah écoute on va bien voir. Et vous voyez c'est bien, ce jeu n'est pas là pour vous frustrer, vous gagnez tout le temps. Ah bah oui c'est ça, ah oui non alors là, ah non t'as gagné un point. Ah t'as un point, c'est pas mal un point, c'est mieux que zéro. C'est exactement la note qu'a eu ce jeu, c'est pas mal un point. C'est de la... Bah de la grosse bouse, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Merde, désolé. Mais je confonds entre B et A, c'est pas de ma faute. Du coup, tu veux peut-être qu'on change de jeu ou... Allez, encore, on va faire un dernier par pitié. Encore un dernier. Allez, rest in peace. Rest in peace, bon allez. Voilà, comme ça, le jeu aura toute sa splendeur. Là, effectivement. Repose en paix, voilà. C'est... Allez, le chien. Ouais. Un chien qui se fait castrer en fait. Ouais, c'est un peu ça. Alors, tu dois utiliser la croix et appuyer sur A pour allumer la lumière pour chasser les fantômes. Ouais, et ça? Ou ouais. Ça non, je pense que c'est ça. Oui, non, c'est ça, ouais. D'accord. Et puis attends, je te starte. T'as envie, hein. Oh, ce décor. Oh là 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 là. Mais tu sais que c'est magnifique. Oh. Ah. Ah. On dirait que tu me lâches. Ah. Je vais pas dire à quoi ça me fait penser, mais. Eh, vas-y, lâche-toi. Ça fait penser à quoi? Mais qu'est-ce que c'est laid? Mais en fait, je peux en mettre autant que j'ai envie! Oh mais
sérieux, n'importe qui s'est programmé en 2 minutes, il fait mieux que ça. Bah là, je crois que c'est le summum, là. On aurait dû faire un jeu comme ça l'année dernière, ça aurait été marrant. Voilà, ouais, ça... Mais même nos jeux qu'on a fait nous sur Game Boy Advance directement en assembleur, il était mieux que ça. Ah non, mais là ils abusent quoi. Mais c'est carrément de la bouse ce truc. En fait, faut savoir à combien ils vendaient le jeu, ça serait sympa. Trop cher, je pense. Peut-être pas 60 francs, je pense pas le maximum, mais je pense que c'est entre 20 et 40. My god! Donc bon. Beaucoup, plus que 5 francs en tout cas, et c'est déjà trop donc. Donc je pense qu'on va passer au deuxième jeu parce que là. Je pense que vous en aurez aussi autant marre que nous de regarder cette merde. Voilà, hein. Alors, et puis là, vous avez pas vu, il y a encore pire qui arrive. Autant, moi ce que j'adore justement, c'est quand t'as des jeux qui sont pourris, mais parce qu'ils sont trop faits de bugs. Mais malheureusement, des party games comme ça, il y en a pas. Enfin si, j'en ai encore trouvé un sur Wii, mais il est en train de télécharger, donc ça sera pour une autre fois. Mais c'est avec Shrek. Ah voilà. Là, je te pardonne alors, Voilà. Bon, donc nous on vous fait une petite ellipse et on se retrouve donc sur la prochaine vidéo. Oh mon dieu, je n'en peux plus. Non mais écoutez-moi cette musique. Mais en fait c'est Cars. Non c'est pas Cars. D'après ce que j'ai compris, on se retrouve visé sur Rory the Racing Car, qui est apparemment un show pour les enfants avec des voitures, qui est totalement pompé sur Cars, oui, effectivement. Et du coup ils en ont fait un party games. Et donc comme tu voulais un party games, voilà. A savoir, juste avant de commencer, petit détail technique, cette ROM, donc le jeu, pèse 8 mégaoctets. Le jeu qu'on a fait avant, on faisait 20, et un jeu normal, environ 70, pour situer. Ce truc-là, il peut prendre deux fois moins de mémoire que le jeu d'avant. Tu vois arriver le truc, c'est... Non. J'ai essayé tous les mini-jeux jusqu'à celui-là, puis après je me suis arrêté parce que j'en avais marre, donc... Tu veux voir à quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai le choix? C'est toi qui les voulais, hein, ces jeux. Hein. Ouais. Je pense que c'est bien parce qu'on se rend compte vraiment de la merde que peut être un jeu. What? Pas le choix entre 3 mini-jeux avec ce personnage. Lequel tu préfères? La course, réécouter ce thème en appuyant au bon moment ou classer les pneus? Tu préfères quoi? La course, le truc le moins. Par contre, ça se joue au stylet, donc ça va être moi qui vais jouer. Mais, bon, mais du coup, je te permets, comme ça tu pourras directement voir ce que tu vois, enfin commenter ce que tu vois. Oh, le son dans mes oreilles! Ça brûle! On dirait un jeu NES ou un jeu Flash, mais bah... Même sur NES, les jeux de course. Tu prends Rad Racer sur NES, il était très largement mieux fait que ça. Hein. Ah oui, tu peux. Parce qu'en fait, je glisse avec le stylet. Ça, c'est l'écran tactile. Du coup, je glisse avec le stylet. Puis, du coup, je peux faire n'importe quoi avec. Je peux partir en couille. La voiture, elle peut avancer, reculer. Voilà, c'est pris une carotte, mais c'est pas grave. Oh non! On aurait dit Tails de Sonic. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Allez, un peu de tour de Hanoï. Mais parle-leur pas de trucs qu'ils connaissent pas. Bah tout le monde connaît les tours de Hanoï. Tour de Hanoï. Bah oui. Mon œil. Quoi ton œil? Non, Hanoï. Ah c'est vraiment les tours. Oui, c'est les tours de Hanoï, je déconne pas. T'es sérieux? C'est juste, sauf que c'est des pneus. Oh mon dieu. Ouais, j'ai gagné, je suis champion. Ah mais ils ont fait ça pour un jeu pour gosses en plus. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et là si tu bon celui-là je vais te le passer parce que c'est écouté en boucle. Oh mon dieu. Je sais pas ce que je peux te montrer d'intéressant sur ce truc en fait. Parce que là, je crois qu'on touche le fond. Mais c'est quand même incroyable parce que, tu vois, moi je trouve de nos jours, on a tendance un peu trop se plaindre des jeux. Ah oui. Hein? Oh mon dieu. Stop. C'est un Simon. Mais avec des voix insupportables. Hey Colombo. Hey Colombo. Hey Colombo. Hey Colombo. Parce que franchement, quoi faux? Je trouve que franchement, quand on voit les jeux, même si c'est des grosses oh mon dieu, ce son. Ah oui, il va te rester hein, gravé. Moi, il va rester ouais. Gravé pendant tout le week-end ce truc. Hein. Parce que franchement, tiens, je vais prendre des jeux que j'ai pas encore testé. On se plaint par exemple, je sais pas, des Call of, etc. Parce que bon, peut-être que parfois ils répondent vachement ce qu'ils font, mais franchement, avouons la maniabilité, etc. est quand même pas si mal que ça. What? C'est un sudoku. Un sou... Quoi, bip? Ok, bah c'est ça en fait, c'est un sudoku, voilà. Oh là là. Ah mais c'est qu'il lève le niveau à fond là. Bon ça encore, pourquoi pas, un sudoku, bon... Mais je me suis gouré déjà en fait là. Il y a A en haut à droite. Mais non, A! Pourquoi tu refonds un D? Il y en avait déjà. Ouais, j'ai fini.
Ah, ça valide pas. Ah merde, je suis obligé de finir pour sortir. Ah zut. Ah, je suis obligé de faire bien du coup. Passe. Enfin, le ALD intervertilé. Ouais. Voilà, déjà. Ensuite, le A, bah, tu m'enlèves, tu mets un D. Ouais. Oui, parce que là, j'ai tout foutu au bol, donc... Ah oui, en plus, t'as bien un buzzer, bien chiant, histoire de te faire mal aux oreilles. Voilà. Yay, champion du monde. Et en gros, il te laisse pas sortir tant que t'as pas fini. Donc le gosse qui arrive pas à faire le truc parce qu'il s'est mis en difficile, bah, il est obligé d'éteindre la console pour pouvoir sortir. Difficile. Non, ça c'était le mode facile. Hein. Ah, t'as un mode difficile. Oui, t'as, parce que t'as trois... Je sais pas ce que c'est le mode difficile, mais... Je pense que t'as... C'est un sudoku complet, je pense. Ouais, voilà, ouais. Et tu peux pas quitter. Et donc maintenant je peux plus quitter. Bravo Black Gamer. Donc vas-y, tu y vas. Je te propose un petit reset. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Oh. Histoire de relancer le son. Ouais, voilà, c'est ça. Frac, en fait, le budget du jeu, il est tout passé ouais, dans la c'est ça, pour musique. La licence du jeu, et puis c'est tout. En fait, ils sont durs. Allez, on va chercher un super groupe de musique. Oh là là. Un puzzle, c'est quoi, cette c'est quoi la taupe? J'en sais rien, là je suis dans les jeux que j'ai pas encore testé parce que j'en ai... Après 8-10 mini-jeux j'en avais tellement... Oh là là, c'est quoi ça? Oh non, c'est quoi ça? Clique sur un objet. Ok, alors j'ai appuyé sur cette espèce de truc là, visiblement c'est un masque de... Un masque de tueur et visiblement c'est faux, bon ok alors va... Clique sur tout ce qui pourrait avoir un rapport avec les voitures. Le casque? Non. L'huile à gauche. Tout en haut, remonte. Ça? Ouais. Non, c'est faux aussi, ok. Clique sur tout. Croix de cimetière. Ok, d'accord, le drapeau. Non, l'espèce de pénis courbé. Reste cliqué. Tu peux pas rester cliqué? Non. Allez, je vais vous laisser profiter de ce son magnifique. Oh, c'était ça, j'ai trouvé le donut. C'est quoi cette merde? Je crois que tu... Par contre, tu baisseras le son au montage, hein. Ah, j'ai trouvé deux trucs. Ah, ok, c'était la chaussure ensuite. Ensuite, c'est quoi? Allez, en fait, le but, c'est de découvrir le ballon de basket, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était la gourde. Ah, j'ai gagné. Ouais. On aurait dû une capote. Tu m'en veux pas, mais l'objet d'avant c'était assez louche. Hein. J'ai rien compris. On va dire que j'ai gagné parce que je suis trop doué, puis on passe à la suite. Ouais, vas-y, montre-nous un truc peut-être un peu plus potable. Donc, les amis, à l'avenir, quand vous trouverez qu'un jeu est merdique, vous viendrez sur notre chaîne. Ou si une de vos connaissances pareilles trouve que le jeu auquel il joue c'est de la merde. Vous le redirigez sur notre chaîne, vous le redirigez sur les jeux pourris, et à ce moment-là, il va... Oh, c'est ça comme jeu. Vous lui demanderez... Ouais, mais c'est complètement bidon, parce qu'en fait, il suffit de bourriner... Oui, tu peux choisir. Ah, mais merde. Ah, ça part, ok, d'accord. Go. Ah, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur, dis donc. Bah, normalement, si j'avais à l'écran supérieur, je pourrais voir les pièces qui arrivent, en fait, ça serait plus simple, mais... Propre. Mais de toute façon, ouais, voilà, quoi. Oh, tu vas perdre. Ah, non, j'ai perdu. Oh, no. D'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je crois, parce que là, je crois qu'on commence à toucher le fond. Par contre, du coup, il faudra me dire quel type de jeu tu voulais pour la prochaine fois, parce que... Bah, franchement, déjà, n'hésitez pas à nous proposer si vous avez aussi, envie de type de jeu. Parce que alors là, Le but, c'est de dire combien de brins il y a de chaque couleur. Trois rouges, deux noirs. D'accord. C'est fantastique. En plus, c'est super beau. En plus, c'est que des sprites qui s'affichent. Et ils ont pas foutu... Ils étaient foutus de faire des sprites jolis. Je peux regarder là, donc. Ah bah oui, guitare électrique là. Arrêtons-nous là. D'accord. Je crois, ouais. Je crois que là du c'est. Du coup, bon. Quel type de jeu, tu vois, pour la prochaine fois? Je sais pas, en tout cas, un truc qui pourrait être plus amusant. Plus amusant? Mais les jeux de course en général, les jeux de course pourris, c'est marrant parce que quand c'est bien glitché, on peut faire des trucs vraiment effectivement, marrants. Effectivement, ouais. Et ça, j'en ai encore quelques-uns des jeux de course pourris. Donc après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous proposer. Hein, voilà, ouais. Mais alors. Quoi que c'est un jeu de course? Il y a une course au début. Allez, on va se la refaire juste pour rigoler. On va reset la console et puis on va s'en faire la course pour rigoler pendant qu'on dit au revoir. Non, juste pour écouter la musique. Merde, mais je m'en fous de ça. Ça fait ok. Bonjour, comment t'appelles-tu? Ah, ouais, comme tous les joueurs du monde, ils s'appellent tous. Ah. Allez, on va faire une petite course comme ça. Ouais, après il y a ceux qui ont la flemme mais qui mettent 3 et il y a ceux qui sont. En fait, ça mélange l'anglais et le chinois, c'est un peu. Oui, c'est incompréhensible les voix des Jits. Alors franchement, non mais je dois... Mais j'essaie de faire de la merde et de passer dans tous les sens, mais ça passe pas. En fait, je vais trop vite, je crois, pour la... Parce que j'essaie de la faire aller à fond, mais je crois que je vais trop vite pour... T'essaies de faire... Ah merde. Ah, je me suis... attends, je me suis pris l'hélico. Ah, la fac d'huile. Ah, d'accord. Oh no. Oh zut, c'est dommage, je suis mort. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que... Enfin, comment je peux espérer que ça vous plaise, parce que... C'est franchement difficile, hein. Autant
Franchement, Noah's Adventure, c'était tellement mais drôle. Oui, bah là... Et sachez quand même qu'ils l'ont sorti sur Steam en Greenlight. Oui, il est en Greenlight. Si vous voulez aller voter pour faire un petit thumbs up pour qu'il sorte sur Steam, Noah's Adventure 2, qu'on vous avait présenté, où vous dirigez là, les animaux de l'Arche de Noé, vous pouviez y aller sur Steam. Il s'est ajouté tout récemment. Bon, il n'a pas encore été greenlighté, mais... Bientôt, hein. Ah bah oui, bientôt. Franchement, il y a de l'espoir, hein. Si tous nos abonnés disent oui, peut-être que... Peut-être qu'il y a moyen. Ah bah ouais. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager à fond, hein. Mais ça devient chaud, là. Oh, bah, sincèrement, je pense que ces vidéos, on le mérite. Faut les partager. Faut partager notre amour et faire comprendre aux gens que... Il n'y a pas tant de merde que ça autour de nous quand on y réfléchit bien. Ah non, alors là... Franchement, si on veut chercher à aller plus loin, il y a toujours moyen. Hein. Ceux qui sont pas contents que de Forza 5 ou de Gran Turismo 6, venez jouer à Rory de Racing Car. Mais pourquoi je peux plus bouger là? Parce que tu étais pris la flaque. C'est de la bouse. Bon, on arrête. Je crois, parce que là, je vais devenir fou. Là, on va se remettre un petit coup de voix Digits pendant qu'il dit au revoir. Hein. Hi Colombo. Donc c'est celui-là. De quoi c'était ça? Non. Oui. Bon, moi je fais très vite comme ça, je vous évite de souffrir trop longtemps. En tout cas, si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas, soit laisser un petit pouce bleu, partager à fond, partager cet amour des jeux vidéo. Franchement, c'est super important, hein. Ah bah oui. Sinon ce jeu viendra vous hanter. Voilà, c'est tout dit. N'hésitez pas aussi à commenter, à dire le genre de jeu que vous aimeriez. Ça, oui, aussi, oui, si vous voulez proposer des genres de jeux, y a pas de soucis. Hein. N'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt donc pour de nouveaux jeux, que ce soit pourris ou autres en tout cas. Il le répète 4 donc, fois, c'est ta la gueule. Bouse. Donc sur ça, ciao à toutes et à tous. Russian. Voilà. Bon, effectivement, oui, n'hésitez pas à proposer un autre style de jeu, parce que Liberty Game, bon, vous avez vu ce que ça donne. Oh yes, this is good. Oh oui. Avec la beau voix de pédophile en plus. Du coup, ouais, super. Bon. En plus, c'est une gueule d'asiatique. Ouais, non, là, c'est un peu. Ouais, non, c'est un peu désagréable ce truc. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Ouais, voilà, ta gueule. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Ils auront quitté au bout de 2 minutes. Hein. C'est pas possible de rester aussi longtemps. Écoute, on verra bien. C'est toi qui voulais des parties games. Ouais,